racial, sexual, and religious chauvinism to rabid nationalist fervor are beginning not to work. This is who I am, and whether I'm good or bad or achieving or not, all that's learned along the way. Just a ride. We can change it anytime we want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. I realized that I had the game wrong. The game was to find out what I already was. Very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man, he's still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive. And he has built a society along these lines. La société d'aujourd'hui est composée d'une kyrielle d'institutions, partant des institutions politiques, institutions juridiques, institutions religieuses, jusqu'aux institutions de classe sociale, de tradition et de profession. Il est clair de l'influence profonde que ces institutions traditionnalistes ont eue sur l'élaboration de nos compréhensions et perspectives. Pourtant, de toutes les institutions sociales dans lesquelles nous sommes nés, dirigées par et conditionnées pour, il semble n'y avoir aucun autre système pris pour acquis et incompris tel que le système monétaire. Prenant presque des proportions religieuses, l'institution monétaire établie existe comme une des formes les plus indiscutables de foi qui soit. Comment l'argent est créé, les politiques par lesquelles elle est gouvernée et comment il affecte réellement la société ne semble pas intéresser la grande majorité de la population.
Dans un monde où 1% de la population possède 40% de la richesse de la planète. Dans un monde où 34 000 enfants meurent chaque jour de pauvreté et de maladies évitables. Où 50% de la population du monde vit avec moins de 2$ par jour. Une chose est claire, quelque chose tourne très mal. Et que nous en sommes conscients ou non, le moteur de toutes nos institutions établies et de la société elle-même est l'argent. Donc, comprendre cette institution de politique monétaire est essentiel pour comprendre pourquoi nos vies sont telles qu'elles sont. Malheureusement, l'économie est souvent perçue avec confusion et ennui. Les flux ininterrompus du jargon financier secondé de mathématiques dissuadent rapidement les gens de tenter de la comprendre. Pourtant, le fait est que la complexité associée au système financier n'est qu'un simple masque conçu pour dissimuler une des structures les plus socialement paralysantes que l'humanité ait jamais subies. Il y a quelques années, la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, a produit un document intitulé « Modern Money Mechanics ». Cette publication a détaillé la pratique institutionnalisée de création d'argent utilisée par la Réserve fédérale et le tissu de banques commerciales mondiales qu'elle supporte. Sur la page de garde, le document déclare son objectif. Le but de ce livret est de décrire le processus fondamental de création d'argent dans un système bancaire de réserve fractionnaire. Il procède alors à la description de ce processus de réserve fractionnaire par l'intermédiaire de différentes terminologies bancaires. Une traduction qui donne quelque chose comme suit. Le gouvernement des États-Unis décide qu'il a besoin d'argent, donc il appelle la réserve fédérale et demande, disons, 10 milliards de dollars. La Fed répond, certainement, nous vous achetons pour 10 milliards de dollars en obligations d'État. Donc, le gouvernement prend quelques morceaux de papier, il y dessine quelques motifs officiels et les appelle « bons du trésor ». Il les évalue à 10 milliards de dollars et les envoie à la Fed. À leur tour, les gens de la Fed déploient un tas tout aussi impressionnant de morceaux de papier. Seulement, cette fois, ils sont appelés « billets de la Réserve fédérale » représentant également une valeur de 10 milliards de dollars. La Fed échange alors ces billets contre les obligations. Une fois cet échange complété, le gouvernement prend les 10 milliards en billets de banque et les dépose dans un compte bancaire. Et de ce dépôt, les billets deviennent officiellement de l'argent légal, ajoutant 10 milliards au stock en devises américaines. Et voilà, 10 milliards de dollars tout neufs ont été créés. Bien sûr, cet exemple est une généralisation, car en réalité, cette transaction se produit par voie électronique, sans aucun papier. En fait, seulement 3% de devises américaines existent physiquement. Les autres 97% existent essentiellement dans des ordinateurs. Maintenant, les obligations d'État sont par conception des instruments de dette. Et quand la Fed achète ses obligations avec de l'argent qu'elle a créé réellement de toutes pièces, l'État promet en fait de rembourser cet argent à la Fed. En d'autres termes, l'argent a été créé à partir d'une dette. Ce paradoxe troublant pour l'esprit, de la façon dont l'argent ou une valeur peut être créée à partir d'une dette ou obligation, deviendra plus clair au fur et à mesure de cet exercice. Donc, l'échange a été fait, et maintenant, 10 milliards de dollars attendent dans un compte bancaire commercial. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Comme fondé sur la pratique des réserves fractionnaires, ce dépôt de 10 milliards de dollars devient instantanément partie des réserves de la banque comme tous les dépôts le sont. Et en respectant des conditions des réserves comme indiqué dans Modern Money Mechanics, une banque doit légalement maintenir des réserves égales à un pourcentage obligatoire de ses dépôts. Ce qu'il quantifie ensuite en déclarant, en vertu de la réglementation en vigueur, la réserve exigée pour la plupart des comptes transactionnels est de 10%. Ce qui signifie que pour un dépôt de 10 milliards de dollars, 10%, soit 1 milliard, est retenu en tant que réserve obligatoire, alors que les 9 milliards restants sont considérés comme un surplus de réserve et peuvent être utilisés comme la base de nouveaux prêts. Maintenant, il est logique de présumer que ces 9 milliards sont générés à partir du dépôt de 10 milliards.
Toutefois, ce n'est en réalité pas le cas. Ce qui se passe réellement est que les 9 milliards sont tout simplement créés de toutes pièces, en plus du dépôt de 10 milliards existants. Et voici comment le stock d'argent est gonflé. Comme indiqué dans Modern Money Mechanics, bien sûr, elles, les banques, ne paient pas réellement les emprunts avec l'argent qu'elles reçoivent en dépôt. Si elles le faisaient, aucun argent supplémentaire ne serait créé. Ce qu'elles font lorsqu'elles réalisent un prêt est d'accepter des obligations, contrats d'emprunt, en échange d'avoir, argent, sur le compte transactionnel de l'emprunteur. En d'autres termes, les 9 milliards peuvent être créés à partir de rien, tout simplement parce qu'il y a une demande pour un tel emprunt et qu'il y a un dépôt de 10 milliards pour satisfaire les obligations de réserve. Maintenant, supposons que quelqu'un arrive dans une banque et emprunte les 9 milliards nouvellement disponibles. Ils vont alors certainement prendre cet argent et le déposer dans leur propre compte bancaire. L'opération se répète alors, car ce dépôt fait devient partie des réserves de la banque. Soit 10% sont isolés et à nouveau 90% des 9 milliards ou 8,1 milliards sont maintenant disponibles comme argent nouvellement créé permettant de nouveaux emprunts. Et bien sûr, ces 8,1 peuvent être prêtés et déposés à leur tour créant 7,2 milliards supplémentaires, puis 6,5 milliards, puis 5,9 milliards, etc. Ce cycle de dépôt-emprunt d'argent peut techniquement continuer à l'infini. Le résultat mathématique moyen résultant est qu'environ 90 milliards de dollars peuvent être créés à partir des 10 milliards d'origine. En d'autres termes, pour chaque dépôt fait dans le système bancaire, environ 9 fois le montant peut être créé de toutes pièces. Money jitters, ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Donc, maintenant que nous comprenons comment l'argent est créé par ce système bancaire de réserve fractionnaire, une question logique, encore illusoire, peut venir à l'esprit. Quoi donc donne réellement sa valeur à l'argent nouvellement créé? La réponse, l'argent qui existe déjà. Le nouvel argent vole essentiellement sa valeur en stock existant. Comme le stock total est accru sans se soucier de la valeur en biens et services, et comme le stock et la demande définissent l'équilibre, les prix augmentent, diminuant le pouvoir d'achat de chaque dollar. Ceci est généralement dénommé inflation. Et l'inflation est essentiellement une taxe cachée sur les citoyens. What is the advice that you generally get? And that is, inflate the currency. They don't say debase the currency. They don't say devalue the currency. They don't say cheat the people who are saved. They say lower the interest rates. The real deception is when we distort the value of money, when we create money out of thin air. We have no savings, and yet there's so-called capital. So my question boils down to this. How in the world can we expect to solve the problems of inflation, that is, the increase in the supply of money, with more inflation? Bien sûr, ce n'est pas possible. Le système de réserve fractionnaire de l'expansion monétaire est fondamentalement inflationniste, car le fait de dilater la provision d'argent sans avoir une croissance proportionnelle des biens et des services dans l'économie dévaluera toujours une monnaie. En fait, un bref aperçu historique sur la valeur du dollar américain en comparaison avec le stock d'argent reflète complètement cette observation. Une relation inversée est évidente. Un dollar en 1913 nécessiterait 21,6 dollars en 2007 pour une valeur équivalente, ce qui représente une dévaluation de 96% depuis que la Réserve fédérale existe. Maintenant, si cette réalité d'inflation inhérente et perpétuelle semble absurde et se mordre la queue économiquement, attendez un instant, car absurdité est un euphémisme comparé au fonctionnement de notre système financier. En effet, à l'intérieur de notre système financier, l'argent est une dette. Et une dette est de l'argent. Voici un diagramme du stock d'argent américain entre 1950 et 2006. Voici un diagramme de la dette nationale américaine durant la même période. Intéressant est-il, les tendances sont pratiquement les mêmes. Car plus il y a d'argent, plus il y a de dette. Plus il y a de dette, plus il y a d'argent. Autrement dit, chaque dollar de votre portefeuille est dû à quelqu'un par quelqu'un. Car n'oubliez pas, le seul moyen pour l'argent d'exister est par l'intermédiaire d'emprunts. Par conséquent,
Si tout le monde dans le pays était capable de payer toutes les dettes, y compris l'État, il n'y aurait pas un dollar en circulation. En fait, la dernière fois dans l'histoire américaine que la dette nationale fut réglée a été en 1835, après que le président Andrew Jackson ait fermé la banque centrale qui a précédé la réserve fédérale. En fait, l'entière profession de foi politique de Jackson tournait essentiellement autour de son engagement à fermer la banque centrale, déclarant sur ce point « L'effort éhonté que la banque actuelle a fait pour contrôler le gouvernement ne sont que les présages du destin qui attend les Américains, qu'ils soient trompés dans une perpétuation de cette institution ou à la mise en place d'une autre comme elle. » Malheureusement, ce message n'a pas perduré et les banquiers internationaux ont réussi à installer une autre banque centrale en 1913. La Réserve fédérale. Et aussi longtemps que cette institution existe, une dette perpétuelle est garantie. Maintenant, jusqu'ici, nous avons discuté du fait que l'argent est créé de toutes pièces au travers de prêts. Ces prêts sur des réserves bancaires et ces réserves sont dérivées de dépôts. Et au travers de ce système de réserves fractionnaires, chaque dépôt peut créer 9 fois sa valeur d'origine, après quoi la dévaluation du stock d'argent existant hausse les prix dans la société. Et comme cet argent est créé au travers de dettes et circule aléatoirement dans le commerce, les gens deviennent détachés de leurs dettes d'origine et un déséquilibre existe lorsque les gens sont forcés à rivaliser pour du travail afin d'extraire suffisamment d'argent du stock monétaire pour subvenir à leurs besoins. Aussi dysfonctionnel et arriéré que tout ceci peut paraître, il y a encore une chose que nous avons omis de cette équation. Et c'est cet élément de la structure qui révèle la frauduleuse nature du système lui-même. L'application d'intérêt. Quand l'État emprunte de l'argent à la Fed ou qu'une personne emprunte de l'argent à une banque, il doit presque toujours rembourser avec des intérêts bruts. En d'autres termes, presque chaque dollar qui existe doit au final retourner dans une banque avec les intérêts payés également. Mais si tout l'argent est emprunté à la banque centrale et est gonflé par les banques commerciales au travers de prêts, seulement ce qui est dénommé comme le principal est créé depuis le stock d'argent. Alors maintenant, où est l'argent permettant de couvrir tous les intérêts dus? Nulle part. Il n'existe pas. Les ramifications de cette disposition sont renversantes, car le montant d'argent dû aux banques excédera toujours le montant d'argent disponible en circulation. C'est pourquoi l'inflation est constante dans l'économie, car de l'argent frais est toujours nécessaire pour aider à couvrir le déficit perpétuel intégré au système causé par le besoin de payer les intérêts. Ce qui signifie aussi que mathématiqument, les défaillances et la banqueroute sont littéralement incorporées au système et qu'il y aura toujours des laissés pour compte de la société qui n'auront que des miettes. Une analogie serait le jeu de la chaise musicale. Au moment où la musique s'arrête, quelqu'un est mis de côté. Et c'est tout le problème. Il transfère invariablement les véritables biens de l'individu vers les banques, car si vous n'êtes pas en mesure de payer votre hypothèque, ils prendront votre propriété. C'est particulièrement rageant quand vous réalisez que non seulement ce défaut est inévitable dû aux pratiques de réserve fractionnaire, mais aussi par le fait que l'argent que la banque vous a prêté n'existe pas légalement en premier lieu. En 1969, un cas à la cour d'affaires du Minnesota a impliqué un homme nommé Jérôme Daly, qui recusait la saisie de sa maison par la banque qui lui avait fait le prêt pour l'acheter. Son argument était que le contrat d'hypothèque exigeait que les deux parties, lui et la banque, aient chacun établi une forme légitime de propriété pour l'échange. Dans le jargon légal, ceci est appelé « contrepartie ». Monsieur Daly expliqua que cet argent n'était pas, en réalité, la propriété de la banque, car il était créé à partir de rien au moment de la signature d'accord du prêt. Vous rappelez-vous de ce que Modern Money Mechanics déclare à propos des prêts? Ce qu'ils font, lorsqu'ils accordent un prêt, est d'accepter des obligations en échange de fonds. Les réserves sont inchangées par la transaction d'un prêt, mais déposer des fonds constitue un ajout au total des dépôts du système bancaire. En d'autres termes, l'argent ne provient pas de leur actif existant.
La banque invente simplement, ne mettant en jeu rien du tout, hormis son obligation théorique sur papier. Alors que le jugement du litige progressait, M. Morgan, le président de la banque, déposa son témoignage et dans le mémorandum personnel du juge, il rappela que le plaignant, le président de la banque, admit qu'avec la participation de la Réserve fédérale a créé de l'argent ou des avoirs sur ses livres comptables. L'argent et les avoirs ont vu le jour lorsqu'ils les ont créés. M. Morgan admit qu'aucune loi des États-Unis n'existe, lui donnant le droit de le faire. Une contrepartie légitime doit exister et être remise pour entretenir l'obligation. Le jury n'a pas trouvé de contrepartie légitime et approuve. Il ajouta aussi, poétiquement, « Seul Dieu peut créer quelque chose de valeur à partir de rien. » Et sur cette révélation, la Cour rejeta la demande de saisie de la banque. Et Daly garda sa maison. Les implications de la décision de cette Cour sont immenses, car à chaque fois que vous empruntez de l'argent à une banque, que ce soit pour une hypothèque ou une facture par carte de crédit, l'argent que l'on vous donne n'est pas seulement contrefait, il est illégitime comme forme de contrepartie et par conséquent annule le contrat de remboursement, car la banque n'a jamais été en possession de cet argent. Malheureusement, de telles jurisprudences sont supprimées et ignorées, et le jeu du transfert perpétuel de biens et de la dette perpétuelle continue. Ce qui nous amène à l'ultime question. Pourquoi? Pendant la guerre civile américaine, le président Lincoln contourna les prêts à fort taux d'intérêt offerts par les banques européennes et décida de suivre ce que les pères fondateurs préconisaient, qui était de créer une monnaie indépendante et intrinsèquement sans dette. Elle a été appelée la Greenback. Peu après que cette mesure fut prise, un document interne circula entre différents intérêts banquiers anglais et américains, déclarant l'esclavage n'est autre que la possession du travail et porte avec lui le soin des travailleurs. Alors que le plan européen est que le capital doit contrôler le travail en contrôlant les salaires, ce qui peut être fait en contrôlant l'argent. Il n'est pas bon d'autoriser la greenback, car nous ne pouvons la contrôler. La politique de réserve fractionnaire perpétrée par la Réserve fédérale qui s'est répandue en pratique dans la grande majorité des banques dans le monde est en réalité un système d'esclavage moderne. Pensez-y. L'argent est créé à partir de dettes. Que font les gens lorsqu'ils sont débiteurs? Ils se proposent à l'embauche pour rembourser. Mais si l'argent ne peut être créé qu'à partir d'emprunts, comment la société peut être délivrée des dettes? Elle ne peut pas. Et c'est l'objectif. Et c'est la peur de perdre ses avoirs, secondée par la lutte pour garder le dessus, avec une dette perpétuelle et l'inflation inhérente au système, aggravée d'une pénurie incontournable dans la provision d'argent même, créée par des intérêts qui ne pourront jamais être remboursés, qui gardent l'esclave salarié dans ce chemin. Courant sur une roue de hamster, avec des millions d'autres, en effet propulsant un empire qui ne bénéficie réellement qu'à une élite au sommet de la pyramide. Car, à la fin de la journée, pour qui travaillez-vous réellement? Les banques. L'argent est créé dans une banque et inévitablement fini dans une banque. Ce sont les véritables maîtres, accompagnés des corporations et des gouvernements qu'ils supportent. L'esclavage physique oblige à nourrir et loger les gens. L'esclavage économique oblige les gens à se nourrir et se loger eux-mêmes. C'est l'une des arnaques les plus ingénieuses de manipulation sociale jamais créée. Et à la base, c'est une guerre invisible contre la population. La dette est une arme utilisée pour conquérir et asservir des sociétés. Et les intérêts sont ses munitions principales. Et comme la majorité vit ignorante de cette réalité, les banques, en association avec les gouvernements et les corporations, continuent à perfectionner et étendre leurs tactiques de guerre économique, générant de nouvelles bases, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, tout en inventant un nouveau type de soldat, la naissance de l'assassin économique. Nous, assassins économiques, sommes les réels responsables dans la création du premier véritable empire global, et nous travaillons de nombreuses façons différentes.
Mais peut-être que la façon la plus commune est que nous identifions un pays détenant des ressources, comme le pétrole. Alors nous arrangeons un énorme prêt pour ce pays auprès de la Banque mondiale ou l'une de ses organisations sœurs. Mais l'argent ne va jamais réellement au pays. À la place, il est utilisé par nos grosses corporations pour construire des projets d'infrastructure dans ce pays. Centrales énergétiques, parcs industriels, ports, des choses qui profitent à quelques personnes riches de ce pays en plus de nos grosses corporations. Mais certainement pas à la majorité des gens du tout. Dans tous les cas, les gens, dans l'ensemble du pays, conservent une dette énorme. C'est tellement une grosse dette qu'ils ne peuvent payer. Et cela fait partie du plan. Donc, à un moment, nous, assassins économiques, revenons auprès d'eux et disons, écoutez, vous nous devez énormément d'argent. Vous ne pouvez pas payer votre dette. Alors vendez-nous votre pétrole à bon marché pour nos compagnies pétrolières. Permettez-nous de construire une base militaire dans votre pays. Ou envoyer des troupes pour supporter les nôtres à un endroit du monde comme l'Irak. Ou voter avec nous dans le prochain vote aux Nations Unies pour que leurs compagnies d'électricité deviennent privatisées. Ou leur eau et système de canalisation soient privatisés et vendus aux sociétés états-uniennes ou autres sociétés multinationales. Donc, il y a une multitude de choses et manières typiques dont le FMI et la Banque mondiale travaillent. Ils mettent un pays en dette et cette dette est si grosse qu'elle ne peut être remboursée. Après quoi, elle offre de financer à nouveau cette dette et se faire payer plus d'intérêts. Et vous demandez ce quiproquo que vous appelez conditionnalité, terme du FMI désignant certaines exigences ou bonne administration, ce qui signifie qu'ils doivent vendre leurs ressources, incluant plusieurs de leurs services sociaux, leur société de maintenance, leur système scolaire, parfois leur système pénal, leur système d'assurance à des sociétés étrangères. Donc c'est un double, triple, quadruple renvers dévastateur. Le besoin d'un tueur à gages économique est né au début des années 50, alors que Mossadegh venait d'être élu démocratiquement en Iran. Il était considéré comme l'espoir pour la démocratie dans le Moyen-Orient et considéré comme l'homme de l'année selon le Time Magazine. Une chose qu'il a apportée et fini par appliquer était que les compagnies pétrolières étrangères devaient payer le peuple iranien bien plus pour leur pétrole qu'elles ne le faisaient et que les Iraniens devaient profiter de leur propre pétrole. Politique étrange. Nous n'avons pas aimé cela, bien sûr. Mais nous étions anxieux de faire ce que nous faisons normalement, qui est d'envoyer les militaires. À la place, nous avons envoyé un agent de la CIA, Kermit Roosevelt, un parent de Teddy Roosevelt. Et Kermit y alla avec quelques millions de dollars. Et cela fut très, très efficace. Et dans un court laps de temps, il réussit à faire renverser Mossadegh et fit entrer le Shah d'Iran pour le remplacer, ce qui a toujours été favorable au pétrole. Et c'était véritablement efficace. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. De retour aux États-Unis à Washington, les gens ont observé et dit wow, c'était facile et bon marché. Donc ceci a établi une nouvelle manière de manipuler des pays et de créer un empire. Le seul problème avec Roosevelt est qu'il était un agent officiel de la CIA. Et s'il s'était fait prendre, les conséquences auraient été dramatiques. Donc, très rapidement, à ce moment-là, décision fut prise d'utiliser des consultants privés pour passer l'argent depuis la Banque mondiale ou le FMI ou l'une des autres agences équivalentes ou de faire appel à des gens comme moi qui travaillons pour des sociétés privées afin que si nous étions pris, il n'y ait pas de conséquences gouvernementales. Lorsqu'Arbenz est devenu président du Guatemala, le pays était sous l'attelage de la société United Fruit, la grande corporation internationale. Et Arbenz a utilisé cette annonce qui disait « Nous voulons redonner la terre au peuple ». Et une fois au pouvoir, il mit en place une politique qui aurait réalisé exactement cela. Redonner au peuple les droits sur la terre. United Fruit n'ont pas vraiment apprécié. Alors ils embauchèrent une entreprise de relations publiques pour convaincre le peuple des États-Unis, les citoyens des États-Unis, la presse des États-Unis et le Congrès des États-Unis qu'Arbenz était un pantin soviétique et que si nous lui permettions de rester au pouvoir, les Soviétiques auraient un pied dans cet hémisphère. Et à cette période, il y avait une énorme peur de la terreur rouge, la terreur communiste. Donc, pour faire une histoire courte, de cette campagne de relations publiques émergea un engagement de la part de la CIA et des militaires pour destituer cet homme. Et en fait, nous l'avons fait. Nous avons envoyé des avions, des soldats, des chacals. Nous avons envoyé tout le nécessaire pour le faire sortir.
et nous l'avons sorti. Et aussitôt qu'il fut relevé de ses fonctions, le nouveau qui le remplaça rétablit tout pour les grosses corporations internationales, United Fruit incluse. L'Équateur a très longtemps été gouverné par des dictateurs pro-états-uniens, souvent relativement brutaux. Alors, il a été décidé qu'il aurait une véritable élection démocratique. Yamir Oldos concourut, et son objectif principal, disait-il, en tant que président, était de faire en sorte que les ressources de l'Équateur soient utilisées pour aider le peuple. Il gagna, de très loin, avec plus de voix que n'importe qui n'ait jamais eu en Équateur. Et il commença à appliquer ses politiques pour s'assurer que les profits du pétrole soient là pour aider le peuple. Eh bien, nous ne l'avons pas apprécié aux États-Unis. J'ai été envoyé comme l'un des assassins économiques pour changer Oldos, pour le corrompre, pour le rapprocher, pour lui faire savoir, vous savez, tu peux devenir très riche si toi et ta famille jouez selon nos règles. Mais si vous continuez à appliquer cette politique que vous avez promis, vous allez partir. Il n'a rien voulu savoir. Il a été assassiné. Aussitôt que l'avion s'écrasa, toute la zone a été bouclée. Les seules personnes autorisées étaient les militaires américains d'une base proche et quelques militaires équatoriens. Quand une investigation fut lancée, deux témoins clés moururent dans un accident de voiture avant d'avoir une chance de témoigner. Un tas de choses très très étranges se sont passées autour de l'assassinat de Yamir Oldos. Je n'avais, comme la plupart des gens qui ont observé le cas, absolument aucun doute qu'il s'agissait d'un assassinat. Et bien sûr, dans ma position d'assassin économique, je m'attendais toujours à ce que quelque chose arrive à Yamé. Que ce soit un coup d'État ou un assassinat, je n'étais pas sûr, car il ne se laissait pas corrompre et il ne se serait jamais permis d'être corrompu de la manière que nous le voulions. Omar Torrijos, le président du Panama, était l'une de mes personnes favorites. Je l'appréciais énormément. Il était très charismatique. C'était un type qui voulait vraiment aider son pays. Et quand j'ai essayé de l'acheter ou de le corrompre, il dit « Écoute, John, il m'appelait Juanito. Il dit « Écoute, Juanito, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai réellement besoin, c'est que mon pays soit traité décemment. J'ai besoin que les États-Unis paient la dette qu'ils doivent à mon peuple pour tous les dégâts que vous avez causés ici. » J'ai besoin d'être dans une position où je puisse aider les autres pays latino-américains à gagner leur indépendance et d'être libérés de cette terrible présence venant du Nord. Vous nous exploitez terriblement. J'ai besoin que le canal du Panama revienne dans les mains du peuple panaméen. C'est tout ce que je veux. Donc laissez-moi tranquille. N'essaie pas de m'acheter. On était en 1981 et en mai, Yamir Oldos se faisait assassiner. Et Omar était parfaitement au courant de cela. Torrijos rassembla sa famille et dit « Je suis probablement le prochain, mais ça ne fait rien, car j'ai réalisé ce pourquoi je suis venu ici. J'ai renégocié le canal. Le canal sera désormais entre nos mains. Nous avons fini de négocier le traité avec Jimmy Carter. » En juin de la même année, deux mois plus tard, il s'écrasa aussi dans un accident d'avion, qui, il n'y a aucun doute, fut exécuté par les chacals commandités par la CIA. Une énorme quantité de preuves, dont celle d'un agent de sécurité de Torrijos, lui donna, au dernier moment, alors qu'il montait dans l'avion, un magnétophone, un petit magnétophone qui contenait une bombe. C'est intéressant pour moi à quel point ce système a continué presque de la même manière pendant des années et des années, hormis que les assassins économiques soient devenus de plus en plus au point. Puis, nous avons fait face, à très récemment, ce qui s'est passé au Venezuela. En 1998, Hugo Chavez se fait élire président, succédant à une longue lignée de présidents qui ont été très corrompus et qui ont littéralement détruit l'économie du pays. Et Chavez fut élu au milieu de tout cela. Chavez se dressa face aux États-Unis et il le fit principalement en demandant que le pétrole vénézuélien soit utilisé pour aider le peuple vénézuélien. Eh bien, nous n'avons pas aimé cela aux États-Unis. Alors, en 2002, un coup d'État fut arrangé. Il n'y a pas de doute pour moi ni pour la plupart des gens que la CIA était derrière ce coup. La manière dont ce coup a été fomenté était très caractéristique de ce que Kermit Roosevelt a fait en Iran. De payer des gens pour sortir dans la rue, pour troubler, pour protester, pour dire que Chavez était très impopulaire.
Vous savez, si vous faites appel à quelques milliers de personnes pour faire cela, la télévision peut donner l'impression qu'il s'agit de tout le pays et les choses commencent à bourgeonner. Excepté que dans le cas de Chavez, il a été assez intelligent et le peuple était si fortement pour lui qu'ils l'ont surmonté. Ce qui fut un moment phénoménal dans l'histoire de l'Amérique latine. L'Irak, effectivement, est l'exemple parfait de la façon dont le système entier fonctionne. Donc, nous, assassins économiques, sommes la première ligne de défense. Nous entrons, nous essayons de corrompre les gouvernements et de les faire accepter des prêts énormes qui sont alors utilisés comme moyen de les posséder littéralement. Si nous échouons, comme j'ai échoué au Panama avec Omar Torrijos et en Équateur avec Jaime Roldós, des gens qui ont refusé d'être corrompus, alors la seconde ligne de défense est d'envoyer les chacals. Et soit les chacals renversent le gouvernement, soit ils assassinent. Et une fois que c'est arrivé et qu'un nouveau gouvernement est mis en place, il sera au garde à vous, car le nouveau président sait ce qu'il arrivera s'il s'en écarte. Dans le cas de l'Irak, ces deux moyens ont échoué. Les assassins économiques n'ont pas été capables de percer Saddam Hussein. Nous avons essayé avec acharnement. Nous avons essayé de lui faire accepter des marchés très similaires à ce que la famille princière saoudienne a accepté en Arabie saoudite. Mais il n'accepta pas. Et donc, les chacals ont débarqué pour l'arracher. Ils n'ont pas réussi. Sa sécurité était très bonne. Après tout, il a, à un moment, travaillé pour la CIA. Il avait été embauché pour assassiner un ancien président d'Irak et a échoué. Mais il connaissait les systèmes. Donc, en 91, nous avons envoyé les troupes et nous avons détruit la défense irakienne. Puis, nous avons présumé à ce moment que Saddam Hussein se dévoilerait. Nous aurions pu bien sûr le soutirer à ce moment, mais nous ne le voulions pas. Il est le genre d'homme fort que nous aimons. Il contrôle son peuple. Nous pensions qu'il contrôlerait les Kurdes et qu'il garderait les Iraniens dans leurs frontières et continuerait à extraire du pétrole pour nous. Et qu'une fois après avoir détruit son armée, qu'il se dévoilerait. Donc, les assassins économiques y retournèrent dans les années 90, sans succès. S'ils avaient réussi, ils seraient encore au pouvoir du pays. Nous lui aurions vendu tous les avions de combat qu'il voulait et tout ce qu'il voulait. Mais ils n'y arrivèrent pas. Ils échouèrent. Les chacals n'arrivèrent pas à le récupérer à nouveau. Alors nous y avons envoyé l'armée. Encore une fois, et cette fois, nous avons fait la totale. Et l'avons retiré. Et par la même occasion, avons créé pour nous-mêmes quelques affaires de construction très très lucratives pour reconstruire le pays que nous avions réellement détruit. Ce qui est une véritable affaire pour qui détienne des sociétés en bâtiment. De grosses. Donc, l'Irak montre les trois étapes. Les assassins économiques y ont échoué, les chacals y ont échoué, et donc, mesure finale, l'armée s'y est rendue. Et c'est de cette manière que nous avons réellement construit un empire. Mais nous l'avons fait subtilement. C'est clandestin. Tous les empires du passé ont été érigés par l'armée et tout le monde savait qu'ils étaient en train de le construire. Les Anglais savaient qu'ils étaient en train de les construire. Les Français, les Allemands, les Grecs, et ils en étaient fiers. Ils avaient toujours quelques excuses telles que propager la civilisation, propager une religion, quelque chose comme cela. Mais ils savaient qu'ils étaient en train de le faire. Pas nous. La majorité de la population aux États-Unis n'a aucune idée que nous vivons pour le bénéfice de l'empire clandestin. Qu'aujourd'hui, il y a plus d'esclavage dans le monde que jamais auparavant. Donc vous devez vous poser la question. Eh bien, si c'est un empire, alors qui est l'empereur? Manifestement, nos présidents des États-Unis ne sont pas les empereurs. Un empereur est quelqu'un qui n'est pas élu, ne remplit pas de mandat et ne rend de compte à personne essentiellement. Donc, vous ne pouvez pas étiqueter nos présidents de cette façon. Mais nous avons ce que je considère être l'équivalent d'un empereur. Et c'est ce que j'appelle la corporatocratie. La corporatocratie est ce groupe d'individus qui administrent nos plus grosses corporations et ils agissent réellement comme les empereurs de cet empire. Ils contrôlent nos médias, soit par la possession directe ou par la publicité. Ils contrôlent la plupart de nos politiciens car ils financent leurs campagnes, soit au travers de corporations ou des contributions personnelles qui émergent des corporations. Ils ne sont pas élus, ils ne remplissent pas un mandat, ils ne rendent de compte à personne. Et au sommet de cette corporatocratie, vous ne pouvez distinguer si la personne travaille pour une société privée ou le gouvernement, car ils font toujours un mouvement de va-et-vient. Donc, vous avez un type qui est, un moment, le président d'une grosse société en bâtiment, comme Halliburton, et le moment suivant, il est le vice-président des États-Unis, ou le président qui était dans les affaires du pétrole. Et c'est vrai, que vous ayez des démocrates ou des républicains dans l'administration, vous avez ce mouvement de va-et-vient, et dans un sens, notre gouvernement est invisible la plupart du temps, et ses stratégies sont exécutées par nos corporations à un niveau ou à un autre. Et encore une fois,
les stratégies du gouvernement sont essentiellement forgées par la corporatocratie et sont alors présentées au gouvernement et deviennent des plans gouvernementaux. Il y a une incroyable relation d'intimité. Ce n'est pas une théorie du complot. Ces gens n'ont pas à se regrouper et comploter pour faire des choses. Ils travaillent tous essentiellement avec un principe fondamental qui est de maximiser les profits sans se soucier du coût social et environnemental. Cette opération de manipulation par la corporatocratie au travers des dettes, corruption et renversement politique est appelée mondialisation. Tout comme la Réserve fédérale garde le public américain dans une position de servitude au travers de dettes, de l'inflation et des intérêts, la Banque mondiale et le FMI exécutent ce rôle à l'échelle mondiale. L'arnaque de base est simple. Mettez un pays en dette, vous divisez le peuple en querelles ou en corrompant le chef de ce pays, qui impose des conditionnalités ou une politique d'ajustement structurel, souvent constituée de ceci. La dévaluation monétaire. Lorsque la valeur d'une monnaie chute, il en est de même pour tout ce qui est évalué par elle, ce qui rend les ressources locales disponibles pour les pays prédateurs à une fraction de leur valeur. De larges coupes dans les programmes sociaux, incluant en général l'éducation et la santé, compromettant le bien-être et l'intégrité d'une société, laissant le public vulnérable à l'exploitation. Privatisation des entreprises publiques signifie que les systèmes socialement importants peuvent être achetés et contrôlés par des corporations étrangères pour le profit. Par exemple, en 1999, la Banque mondiale insista pour que le gouvernement bolivien vende le système public d'approvisionnement d'eau de sa troisième ville la plus grande à une subdivision de la société états-unienne Bechtel. Aussitôt que ça se produisit, la facture d'eau des résidents locaux, déjà appauvris, grimpa en flèche. Il a fallu attendre une véritable révolte du peuple pour que le contrat de Bechtel soit annulé. Ensuite, il y a la libération des échanges, ou l'ouverture de l'économie en retirant toutes les restrictions sur les échanges extérieurs, ce qui permet un certain nombre de réalisations économiques abusives, telles que l'importation massive de produits par les sociétés transnationales, disloquant la production indigène et ruinant l'économie locale. Un exemple est la Jamaïque, qui, après avoir accepté des prêts et des conditionnalités de la Banque mondiale, a perdu son plus grand marché de récolte en raison d'une compétition avec les importations de l'Ouest. Aujourd'hui, d'innombrables agriculteurs sont sans travail car ils sont incapables de rivaliser contre les grosses sociétés. Une autre variation est la création de nombreux apparemment inaperçus, non régulés, inhumaines, fabriques de vêtements qui profitent d'une privation économique imposée. De plus, en raison d'une production non régulée, la destruction environnementale est perpétuelle, étant donné que les ressources d'un pays sont souvent exploitées dans l'indifférence des corporations, tout en générant délibérément de larges quantités de polluants. La plus grande poursuite judiciaire environnementale dans l'histoire du monde aujourd'hui est menée par 30 000 Équatoriens et Amazoniens contre Texaco, qui est maintenant détenu par Chevron. Donc c'est contre Chevron, mais pour des activités menées par Texaco. Ils ont estimé que Exxon Valdez a déversé 18 fois plus sur la côte de l'Alaska. Dans le cas de l'Équateur, ce n'était pas un accident. La compagnie pétrolière l'a fait intentionnellement. Ils savaient qu'ils allaient faire des économies plutôt que de prendre des dispositions appropriées. De plus, un simple regard sur la performance de la Banque mondiale révèle que l'institution qui proclame publiquement d'aider les pays pauvres à se développer et d'atténuer la pauvreté n'a rien fait d'autre que d'augmenter la marge entre la pauvreté et la richesse, alors que les profits des entreprises s'envolent. En 1960, la différence de revenus entre le cinquième des gens des pays les plus riches et le cinquième des pays les plus pauvres était de 30 contre 1. En 1998, il était de 74 contre 1. Alors que le PNB mondial augmentait de 40% entre 1970 et 1985, la pauvreté augmentait de 17%. Alors qu'entre 1985 et 2000, le nombre de gens vivant avec moins de 1 $ par jour augmenta de 18%. Même que le Joint Economic Committee du Congrès américain admet qu'un faible 40% des projets de la Banque mondiale est une réussite. À la fin des années 60, la Banque mondiale est intervenue en Équateur avec de larges prêts.
pendant les 30 années qui suivirent, la pauvreté s'accrut de 50% à 70%. Le sous-emploi ou le chômage s'accrut de 15% à 70%. La dette publique augmenta de 240 millions à 16 milliards de dollars, alors que la part de ressources allouées aux pauvres passa de 20% à 6%. En fait, depuis l'an 2000, 50% du budget national de l'Équateur a été affecté au paiement de ses dettes. Il est important de comprendre que la Banque mondiale est en réalité une banque américaine supportant les intérêts américains, car les États-Unis détiennent un veto sur les décisions, étant donné qu'elles représentent le plus gros fournisseur de capital. Et d'où vient cet argent? Vous l'avez deviné. Il est créé de toutes pièces par le système bancaire de réserve fractionnaire. Des 100 meilleures économies mondiales basées sur le produit intérieur brut annuel, 51 sont des corporations et 47 d'entre elles sont basées aux États-Unis. Walmart, General Motors et Exxon sont plus puissantes économiquement que l'Arabie Saoudite, la Pologne, la Norvège, l'Afrique du Sud, la Finlande, l'Indonésie et beaucoup d'autres. Et comme les barrières économiques sont abattues, les monnaies sont lancées et manipulées dans des marchés instables, l'économie d'État se retourne en faveur des compétitions dans le capitalisme mondial. L'empire s'agrandit. You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, min-max solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. Est en train d'être dominé par une poignée de puissances commerciales qui dominent les ressources naturelles nous permettant de vivre, tout en contrôlant l'argent qui nous permet d'obtenir ces ressources. Le résultat final sera un monopole planétaire basé non pas sur la vie humaine, mais sur le pouvoir financier et corporatif. Et comme les inégalités s'agrandissent, naturellement, de plus en plus de peuples deviennent désespérés. Donc l'institution a été forcée de trouver une nouvelle manière de faire face à toute personne qui conteste le système. Ils ont donc mis au monde le terroriste. Le terme terroriste est une distinction creuse désignant toute personne ou groupe qui choisirait de défier l'ordre établi. Ceci n'est pas à confondre avec le fictif Al-Qaïda, qui est en réalité le nom d'une base de données informatique des Mujahideen supportée par les États-Unis dans les années 80. En 2007, le département de la Défense a reçu 161,8 milliards de dollars pour la soi-disant guerre contre le terrorisme. Selon le Centre national de contre-terrorisme, en 2004, environ 2000 personnes ont été tuées dans le monde en raison de prétendus actes terroristes. Sur ce nombre, 70 étaient américains. En utilisant ce nombre comme moyenne générale, ce qui est extrêmement généreux, il est intéressant de remarquer que deux fois plus de personnes meurent d'allergies aux arachides chaque année. En comparaison,
La cause principale de décès en Amérique est une maladie coronarienne, tuant environ 450 000 personnes chaque année. L'allocation gouvernementale pour le fonds de recherche sur ce problème était d'environ 3 milliards de dollars. Ce qui signifie que le gouvernement américain, en 2007, a dépensé 54 fois plus d'argent pour prévenir le terrorisme qu'il en a dépensé pour prévenir la maladie qui tue 6600 fois plus de gens annuellement que le terrorisme. Pourtant, les mots terrorisme et Al-Qaïda sont utilisés arbitrairement dans les médias pour qualifier toute action entreprise contre les intérêts des États-Unis. Le mythe s'élargit. À la mi-2008, le procureur général des États-Unis proposa en fait que le Congrès américain déclare officiellement la guerre contre le fantasme. Sans mentionner qu'en juillet 2008, il y a maintenant plus de 1 million de gens actuellement fichés sur la liste de surveillance terroriste américaine. Cette soi-disant mesure antiterrorisme n'a bien sûr rien à voir avec la protection sociale et tout à voir avec la préservation de l'ordre établi contre les sentiments anti-américains croissants, à la fois au niveau national et international, qui est légitimement fondé sur l'expansion de l'empire des sociétés basées sur la cupidité qui exploite notre monde. Les vrais terroristes de notre monde ne se rencontrent pas dans le noir à minuit, ou crie Allah Akbar avant une quelconque action violente. Les vrais terroristes de notre monde portent des costumes à 5000 $ et travaillent dans les plus hautes sphères de la finance, du gouvernement et des affaires. Alors, que faisons-nous? Comment stoppons-nous un système de cupidité et de corruption qui a tellement de pouvoir et d'élan? Comment stoppons-nous ce comportement de groupe aberrant qui ne ressent aucune compassion pour les milliers de morts en Irak et en Afghanistan pour que la corporatocratie puisse contrôler les ressources énergétiques et la production d'opium pour les profits de Wall Street? Comment stoppons-nous un système de cupidité et de corruption qui condamne les populations pauvres à un atelier de misère pour les bénéfices de Madison Avenue, ou orchestre des attaques terroristes sous faux drapeaux au nom de la manipulation, ou génère des modes intégrés de fonctionnement sociaux qui sont fondamentalement exploités, ou réduit systématiquement de nombreuses libertés et viole les droits de l'homme afin de se protéger lui-même de ses imperfections? Comment pouvons-nous traiter avec les nombreuses institutions furtives, telles que le Conseil de relations étrangères, la Commission trilatérale et le groupe Bilderberg et les autres groupes élus non démocratiquement, qui derrière les rideaux collaborent pour le contrôle des éléments politiques, financiers, sociaux et environnementaux de nos vies? Afin de trouver une réponse, nous devons d'abord chercher la véritable cause sous-jacente, car le fait est l'égoïsme, le pouvoir corrompu et les groupes basés sur le profit ne sont pas la vraie source du problème. Ce sont des symptômes. Mon nom est Jacques Fresco. Je suis un designer industriel et un ingénieur social. Je suis très intéressé par la société et par le développement d'un système qui pourrait être viable pour tout le monde. Avant tout, le mot corruption est une invention monétaire, ce comportement aberrant, comportement qui est perturbant pour le bien-être du peuple
eh bien, vous avez affaire au comportement humain. Et le comportement humain se révèle être déterminé par l'environnement, signifiant si vous êtes élevé par les Indiens Séminoles en tant qu'enfant, sans jamais avoir vu autre chose, vous retenez ce système de valeurs. Et il en va ainsi pour les nations, les individus, les familles essayant d'endoctriner leurs enfants dans leur foi particulière et leur pays, et qu'ils se sentent comme faisant partie de tout cela. Et ils construisent une société qu'ils appellent établie. Ils établissent un point de vue accessible et tentent à le perpétuer. Alors que toutes les sociétés sont en fait émergentes, pas établies. Et donc, ils rejettent les nouvelles idées qui interfèrent avec l'ordre établi. Les gouvernements essayent de perpétuer ce qui les garde au pouvoir. Les gens ne sont pas élus au poste politique pour changer les choses. Ils y sont mis pour conserver les choses telles qu'elles sont. Donc, vous voyez, les bases de la corruption sont dans notre société. Laissez-moi expliquer. Toutes les nations sont foncièrement corrompues, car elles tentent à maintenir les institutions existantes. Je ne veux pas dire de maintenir ou de dévaloriser tous les pays, mais le communisme, le socialisme, le fascisme, le libre entreprise et tous les autres sous-cultures sont les mêmes. Elles sont essentiellement corrompues. La caractéristique la plus fondamentale de nos institutions sociales est la nécessité de se préserver. Que ce soit une corporation, une religion ou un gouvernement, le premier intérêt est de préserver l'institution elle-même. Par exemple, la dernière chose qu'une compagnie pétrolière voudrait est qu'une énergie qui ne soit pas en sa possession soit utilisée, car ça rendrait cette compagnie moins importante pour la société. De même que la guerre froide et la chute de l'Union soviétique étaient en réalité une façon de préserver et perpétuer une institution économique et l'hégémonie globale des États-Unis. Pareillement, les religions conditionnent le peuple à se sentir coupable pour les tendances naturelles. Chacun proclame offrir le seul chemin vers le pardon et le salut. Au cœur de cette auto-préservation institutionnelle repose le système monétaire, car c'est l'argent qui fournit les moyens du pouvoir et de la survie. C'est pourquoi, tout comme une personne pauvre peut être amenée à voler pour survivre, c'est une tendance naturelle de faire tout le nécessaire pour prolonger la rentabilité d'une institution. Ceci rend particulièrement difficile pour les institutions basées sur le profit de changer, car cela met en danger non seulement la survie de larges groupes de gens, mais aussi le douillet mode de vie matérialiste associé à la prospérité et au pouvoir. Donc, la paralysie nécessaire de préserver une institution en dépit de son importance sociale est largement ancrée dans le besoin d'argent ou profit. Quel intérêt cela a-t-il pour moi et ce que les gens pensent? Et alors, si un homme fait de l'argent en vendant un certain produit, c'est là qu'il combattra l'existence d'un autre produit qui pourrait menacer son institution. C'est pourquoi les gens ne peuvent être honnêtes et que les gens ne se font pas confiance. Un type va venir vers vous et dire « J'ai exactement la maison que vous cherchez. » C'est un vendeur. Quand un docteur dit « Je pense que votre rein doit être retiré. » Je ne sais pas s'il essaye de se payer un yacht ou si mon rein doit être retiré. C'est difficile dans un système monétaire de faire confiance aux gens. Si vous venez à mon magasin et que je dis « Cette lampe que j'ai ici est plutôt bonne. » Mais la lampe du voisin est bien meilleure. Je ne resterai pas en affaires très longtemps. Ça ne marcherait pas. Si j'étais éthique, ça ne fonctionnerait pas. Alors quand vous dites que l'industrie fait attention aux gens, ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas se permettre d'être éthiques. Donc, votre système n'est pas conçu pour servir le bien des gens. Si vous ne comprenez toujours pas cela, il n'y aurait pas de sous-traitance des emplois s'ils se souciaient des gens. L'industrie ne se soucie pas. Il emploie uniquement des gens, car ça n'a pas été encore automatisé. Donc, ne parlez pas d'honnêteté ou d'éthique. Nous ne pouvons pas nous le permettre pour rester en affaires. Il est important de montrer que quel que soit le système social, qu'il soit fasciste, socialiste, capitaliste ou communiste, le système sous-jacent reste encore l'argent, le travail et la compétition. La Chine communiste n'est pas moins capitaliste que les États-Unis,
La seule différence est le degré d'implication de l'État dans l'entreprise. La réalité est que le monétarisme, pour ainsi dire, est le vrai mécanisme qui guide les intérêts de tous les pays de la planète. La plus agressive et donc dominante variation de ce monétarisme est le système de libre entreprise. La perspective fondamentale mise devant par le premier économiste du marché libre comme Adam Smith est que l'égocentrisme et la compétition tendent vers la prospérité sociale, car la compétition crée un stimulant qui motive les gens à persévérer. Cependant, ce qui n'est pas dit est à quel point une économie basée sur la compétition mène invariablement vers une corruption stratégique, une consolidation du pouvoir et des biens, une stratification sociale, une paralysie technologique, un abus du travail et finalement, une forme déguisée de gouvernement dictatorial par la riche élite. Le mot « corruption » est souvent défini par « perversion morale ». Si une compagnie déverse des rejets toxiques dans l'océan pour économiser de l'argent, la plupart des gens identifient cela comme un comportement corrompu. À un niveau plus subtil, quand Walmart s'installe dans une petite ville et force les petites boutiques à fermer car incapables de rivaliser, une zone floue émerge. Mais que fait Walmart de si mauvais? Pourquoi devrait-il se soucier des organisations familiales qu'ils détruisent? Mais encore plus subtil, quand une personne est renvoyée de leur travail parce qu'une nouvelle machine a été créée qui peut faire le travail pour moins d'argent, les gens tendent à accepter cela comme « ainsi va la vie », sans voir l'inhumanité inhérente à une telle action. Car le fait est qu'il s'agisse de déverser des déchets toxiques, posséder un monopole ou de diminuer la main-d'œuvre, le motif est le même – profit. Ce sont tous des différents degrés du même mécanisme d'autopréservation qui met toujours le bien-être du peuple au second plan du gain monétaire. C'est pourquoi la corruption n'est pas un sous-produit du monétarisme. C'est son véritable fondement. Et bien que la plupart des gens reconnaissent cette tendance à un niveau ou à un autre, la majorité reste naïve quant à l'ensemble des implications d'avoir un mécanisme si égocentrique comme direction mentale dans la société. Internal documents show that after this company positively, absolutely knew that they had a medication that was infected with the AIDS virus, they took the product off the market in the U.S. and then they dumped it in France, Europe, Asia, and Latin America. The U.S. government allowed it to happen. The FDA allowed this to happen. And now the government is completely looking the other way. Thousands of innocent hemophiliacs have died from the AIDS virus. This company knew absolutely that it was infected with AIDS. They dumped it because they wanted to turn this disaster into a profit. Donc, vous voyez, vous avez une corruption inhérente. Nous prenons tous les uns des autres et vous ne pouvez espérer de l'honnêteté dans ce genre de choses. Un sentiment qu'ils ne savent pas qui élire. Ils pensent en termes de démocratie qui ne peut pas être possible dans une économie basée sur l'argent. Si vous avez plus d'argent pour promouvoir votre position, la position que vous désirez au gouvernement, ce n'est pas une démocratie. Ça sert pour ceux en possession de différents avantages. Donc, c'est toujours une dictature des élites financièrement riches. Une observation intéressante est de noter comment des personnalités apparemment inconnues apparaissent magiquement sur scène comme candidats présidentiels. Ensuite, avant que vous ne le sachiez, vous devez choisir parmi un petit groupe de gens extrêmement riches qui ont suspicieusement, dans les grandes lignes, la même vision sociale. Visiblement, c'est une farce. Les gens placés sur le bulletin de vote le sont car ils ont été prédéfinis comme étant acceptables par la puissance financière consacrée qui en fait tire les ficelles. Pourtant, la plupart de ceux qui perçoivent cette illusion de la démocratie pensent souvent « Si seulement nous pouvions juste avoir notre honnête éthique politicien au pouvoir, alors nous serions bien. » Bien que cette idée semble bien sûr raisonnable dans notre vision du monde orienté établi, il s'agit malheureusement d'une autre illusion. Car lorsqu'il faut s'abaisser à ce qui est réellement important,
Les institutions politiques et les politiciens eux-mêmes n'ont absolument aucune compétence sur le fonctionnement de notre monde et notre société. Ce ne sont pas les politiciens qui résolvent les problèmes. Ils n'ont aucune aptitude technique. Ils ne savent pas comment résoudre des problèmes. Même s'ils étaient sincères, ils ne savent pas comment résoudre des problèmes. Ce sont les techniciens qui produisent du matériel de désalination. Ce sont les techniciens qui vous donnent l'électricité, qui vous donnent des véhicules motorisés, qui chauffent votre maison et la refroidissent l'été. C'est la technologie qui résout les problèmes, pas la politique. Les politiciens ne peuvent résoudre des problèmes, car ils n'y ont pas été entraînés. Peu de gens aujourd'hui s'arrêtent et examinent ce qui en fait améliore leur vie. Est-ce l'argent? Visiblement, non. On ne peut manger de l'argent ou le bourrer dans sa voiture pour la faire rouler. Est-ce la politique? Tout ce que peuvent faire les politiciens sont de créer des lois, d'établir des budgets et de déclarer la guerre. Est-ce la religion? Bien sûr que non. La religion ne crée rien excepté d'intangibles consolations émotionnelles pour ceux qui en ont besoin. Le vrai don que nous, en tant qu'êtres humains, avons, qui est le seul responsable de tout ce qui a amélioré nos vies, est la technologie. Qu'est-ce que la technologie? La technologie est un crayon qui permet de consolider des idées sur papier pour la communication. La technologie est l'automobile qui permet à tous et à chacun de voyager plus vite que les pieds nous le permettent. La technologie est une paire de lunettes qui redonne la vue à ceux qui en ont besoin. La technologie appliquée elle-même n'est autre qu'une extension des attributs humains qui réduit l'effort humain, libérant les humains d'une corvée ou d'un problème particulier. Imaginez ce que votre vie serait aujourd'hui, sans téléphone, ou un four, ou un ordinateur, ou un avion. Tout ce qui se trouve dans votre maison, que vous prenez pour acquis depuis une sonnette, à une table, à une machine à laver, est de la technologie générée par l'ingéniosité scientifique et créative des techniciens humains. Pas l'argent, ni la politique, ni la religion. Ce sont de fausses institutions. Et écrire à votre député est fantastique. Ils vous disent, écrivez à votre député si vous voulez que quelque chose soit fait. Les hommes à Washington devraient être à l'avant-garde de la technologie, à l'avant-garde de l'anthropologie, à l'avant-garde du crime. Tous les facteurs qui forment le comportement humain. Vous n'avez pas à écrire à votre député. Quel genre de gens sont-ils pour être nommés à faire ce travail? L'avenir sera très difficile. Et la question émise par les politiciens est combien ce projet va-t-il coûter? La question n'est pas combien ce projet coûtera-t-il. Avons-nous les ressources? Et nous avons aujourd'hui les ressources pour loger tout le monde, construire des hôpitaux partout dans le monde, construire des écoles partout dans le monde, les meilleurs équipements dans les labos pour enseigner et faire des recherches médicales. Vous voyez? Nous avons tout cela, mais nous sommes dans un système monétaire. Et dans un système monétaire, il y a du profit. Et quel est le mécanisme fondamental qui dirige le système de profit en dehors de lui-même? Qu'est-ce qui maintient exactement cette compétitivité de pointe? Est-ce l'efficacité et la viabilité? Non, ça ne fait pas partie du plan. Rien de produit dans notre société basée sur le profit est même de loin viable ou efficace. Si c'était le cas, il n'y aurait pas plusieurs milliards de dollars dépensés chaque année dans l'industrie automobile. Ni que la durée de vie moyenne des appareils électroniques soit de moins de 3 mois avant d'être désuet. Est-ce l'abondance? Absolument pas. L'abondance, basée sur la loi de l'offre et de la demande, est en fait quelque chose de négatif. Si une compagnie diamantaire trouve 10 fois la quantité usuelle de diamants durant leur minage, ce qui signifie que le stock de diamants a augmenté. Ce qui signifie que le coût et le profit par diamant baissent. Le fait est efficacité, viabilité et abondance sont les ennemis du profit. Pour le dire en un mot, c'est le mécanisme de rareté qui accroît les profits. Qu'est-ce que la rareté? C'est basé sur le maintien de la valeur des produits. Diminuer la production de pétrole augmente les prix. Entretenir la rareté des diamants maintient les prix hauts. Ils brûlent des diamants à la Kimberley Diamond Mine. Ils en font du carbone. Cela maintient le prix haut. Donc,
Que cela signifie pour la société quand la rareté produite naturellement ou par manipulation est une condition bénéfique pour l'industrie? Cela signifie que la viabilité et l'abondance ne se produiront jamais dans un système de profit, car cela va à l'encontre de la nature de la structure. Par conséquent, il est impossible d'avoir un monde sans guerre ou pauvreté. Il est impossible de continuellement améliorer la technologie vers ses états les plus efficaces et productifs. Et, plus dramatiquement, il est impossible d'espérer que l'être humain se comporte de façon réellement éthique ou honnête. Les gens utilisent le mot instinct car ils ne peuvent compter sur le comportement. Ils se reculent et évaluent avec leur manque de connaissances. Ils se disent des choses comme « Les humains sont faits d'une certaine manière, la cupidité est une chose naturelle. » Comme s'ils avaient travaillé des années dessus. Et ce n'est pas plus naturel que de porter des vêtements. What we want to do is to eliminate the causes of the problems, eliminate the processes that produce greed and bigotry and prejudice and people taking advantage of one another and elitism, eliminating the need for prisons and welfare. We have always had these problems because we have always lived within scarcity and barter and monetary systems that produce scarcity. Si vous abolissez les conditions qui génèrent ce que vous appelez les comportements socialement offensifs, ils n'existeront plus. Quelqu'un dit, eh bien écoute, sont-ils innés? Non, ils ne le sont pas. There is no human nature. There's human behavior, and that's always been changed throughout history. You're not born with bigotry and greed and corruption and hatred. You pick that up within the society. La guerre, la pauvreté, la corruption, la faim, la misère, la souffrance humaine ne changeront pas dans un système monétaire. En fait, il n'y aura que très peu de changements significatifs. Il faudra redéfinir notre culture ou valeur. Et ça doit être mis en rapport avec les ressources de la Terre. Non pas sur une opinion humaine ou des idées politiques dont le monde devrait être, ou sur une idée religieuse de la condition des affaires humaines. Et c'est de cela que se préoccupe The Venus Project. La société à propos de laquelle nous allons parler est une société libre de toutes les anciennes superstitions, incarcérations, prisons, police, cruauté et lois. Toutes les lois vont disparaître et les professions vont disparaître, celles qui ne sont désormais plus fondées, telles que les agents de change, banquiers, publicitaires, disparus pour toujours, car ce n'est désormais plus nécessaire. Quand nous saisissons que c'est la technologie conçue par l'ingéniosité humaine qui libère l'humanité et accroît notre qualité de vie, nous réalisons alors que notre objectif le plus important est la gestion intelligente des ressources de la Terre. Car c'est à partir de ces ressources naturelles que nous obtenons les matériaux pour continuer notre chemin vers la prospérité. En discernant cela, nous pouvons voir que l'argent existe fondamentalement comme une barrière vers ces ressources, car virtuellement, tout a une valeur financière. Et pourquoi avons-nous besoin d'argent pour obtenir ces ressources? En raison d'une rareté, réelle ou fictive. Nous ne payons pas en général pour l'air et l'eau courante, car ils existent dans une telle abondance qu'il serait vain de les vendre. Donc, logiquement, si les ressources et les technologies utilisables pour créer quoi que ce soit dans notre société, comme les maisons, les villes et les transports, étaient en abondance suffisante, il n'y aurait plus de raison de vendre quoi que ce soit. De même, si l'automatisation et les machines étaient si avancées technologiquement au point de soulager l'être humain du labeur, il n'y aurait aucune raison d'avoir un travail. Et avec les aspects sociaux gérés, il n'y aurait plus de raison d'avoir de l'argent du tout. Donc, l'ultime question restante est, avons-nous sur Terre suffisamment de ressources et de connaissances technologiques pour créer une société avec une telle abondance où tout ce que nous avons aujourd'hui serait disponible sans un prix dessus et sans avoir le besoin d'une servilité à travers le salariat? Oui, nous l'avons.
Nous avons les ressources et la technologie le permettant au minimum, avec la possibilité d'élever le standard de vie si haut que les gens dans le futur regarderont en arrière notre civilisation d'aujourd'hui et seront bouche bée de voir à quel point notre société était primitive et immature. Ce que le Venus Project propose est un système entièrement différent, actualisé avec les connaissances d'aujourd'hui. We've never given scientists the problem of how do you design a society which would eliminate boring and monotonous jobs, that would eliminate accidents in transportation, that would enable people to have a high standard of living, that would eliminate poisons in our food, that would give us other sources of energy that are clean and efficient. We can do that out there. The major difference between a resource-based economy and a monetary system is that a resource-based economy is really concerned with people and their well-being, where a monetary system has become so distorted that the concerns of the people are really secondary, if they're there at all. The products that are turned out are for how much money you can get. If there is a problem in society and you can't earn money from solving that problem, then it won't be done. The resource-based economy is really not close to anything that's been tried. And with all our technology today, we can create abundance. It could be used to improve everyone's lifestyle. Abundance all over the world if we use our technology wisely and maintain the environment. C'est un système très différent. Et c'est très difficile d'en parler, car le public n'est pas suffisamment bien informé sur l'état de la technologie. Aujourd'hui, nous n'avons pas à brûler les combustibles fossiles. Nous n'avons pas à utiliser quoi que ce soit qui contaminerait l'environnement. Il y a de nombreuses sources d'énergie disponibles. Les solutions alternatives d'énergie favorisées par l'établissement, telles que l'hydrogène, la biomasse et même le nucléaire, sont très insatisfaisants, dangereux et n'existent que pour perpétuer la structure profitable que l'industrie a créée. Lorsque nous regardons au-delà de la propagande et des solutions égoïstes présentées par les compagnies d'énergie, nous trouvons un flux apparemment sans fin d'énergie abondante et renouvelable. L'énergie solaire et éolienne sont bien connues du public, mais leur vrai potentiel reste inexpliqué. L'énergie solaire, dérivée du soleil, est tellement abondante qu'une seule heure de lumière à midi contient plus d'énergie que le monde entier consomme en une année. Si nous pouvions capter 0,1% de cette énergie, le monde n'aurait plus besoin d'utiliser du pétrole ou de gaz ou d'autres choses. L'interrogation n'est pas la disponibilité, mais la technologie pour l'exploiter. Et il y a de nombreux moyens avancés aujourd'hui qui peuvent le réaliser s'ils n'étaient pas entravés par le besoin de rivaliser pour des parts de marché avec des structures énergétiques en place. Puis, il y a l'énergie éolienne. L'énergie éolienne a été longuement dénoncée comme faible et comme dépendante d'un emplacement incommode. Ce n'est tout simplement pas vrai. Le département de l'énergie des États-Unis déclara en 2007 que si le vent était entièrement exploité dans seulement 3 des 50 États américains, il pourrait alimenter la nation entière. Et il y a les sources plutôt inconnues, marémotrices et marines. L'énergie marémotrice est dérivée des cycles de marée. L'installation de turbines pour capturer ce mouvement génère de l'énergie. Au Royaume-Uni, 42 sites ont été reconnus comme disponibles, prévoyant que 34% de l'ensemble de l'énergie du Royaume-Uni pourrait venir des énergies marémotrices. L'énergie marine, qui extrait de l'énergie depuis la surface mouvante de l'océan, est estimée comme ayant un potentiel global de 80 000 TWh par an. Cela signifie que 50% de l'utilisation énergétique de la planète entière pourrait être produite par cette seule source. Maintenant, il est important de remarquer que les énergies marémotrices, marines, solaires et éoliennes ne requièrent pratiquement aucune énergie préalable pour être exploitées, contrairement au charbon, au pétrole, à la biomasse, à l'hydrogène et tous les autres. En cumulant seulement ces quatre sources, si exploitées efficacement par la technologie, pourraient alimenter le monde pour toujours. Cela étant dit, il advient qu'une autre forme d'énergie propre et renouvelable les surpasse toutes. L'énergie géothermique. L'énergie géothermique utilise ce qui est appelé heat mining, extraction calorifère, qui par un simple processus utilisant de l'eau
serait capable de générer des quantités massives d'énergie propre. En 2006, un rapport du MIT sur l'énergie géothermique trouva que 13 000 zétajoules d'énergie sont actuellement disponibles sur Terre, avec la possibilité de ponctionner 2 000 zétajoules facilement avec une technologie améliorée. La consommation totale d'énergie de tous les pays de la planète est d'environ la moitié d'un zétajoule par an, ce qui signifie qu'environ 4 000 ans d'énergie planétaire peut être extraite avec cette seule source. Et sachant que la génération de chaleur par la Terre est constamment renouvelée, cette énergie est réellement illimitée. Elle pourrait être utilisée pour toujours. Ces sources d'énergie ne sont que quelques-unes des moyens propres et renouvelables disponibles. Et nous en trouverons plus au fur et à mesure. La grande prise de conscience est que nous disposons d'une abondance totale d'énergie, sans besoin de polluer, de la conservation traditionnelle ou en fait de prix. Et que dire des transports? Les moyens prédominants de transport dans notre société est l'automobile et l'aviation, qui tous deux ont principalement besoin de combustibles fossiles pour fonctionner. Dans le cas de l'automobile, la technologie des accumulateurs nécessaires pour alimenter une voiture électrique pouvant rouler à 160 km/h pendant plus de 300 km en un ravitaillement existe et cela depuis de nombreuses années. Cependant, en raison de brevets détenus par l'industrie pétrolière, qui limiteraient leur aptitude à conserver des parts de marché, secondée par la pression politique de l'industrie énergétique, la disponibilité et l'accessibilité financière de cette technologie sont limitées. Il n'y a aucune raison autre que le pur et corrompu intérêt économique pour que chacun des véhicules du monde ne puisse être électrique et parfaitement propre sans aucun besoin d'essence. Pour ce qui est des avions, il est temps de réaliser que ce moyen de transport est inefficace, encombrant, lent et provoque beaucoup trop de pollution. Ceci est un train maglev. Il utilise une propulsion magnétique. Il est tenu en suspension totale par un champ magnétique et ne requiert que moins de 2% de l'énergie utilisée par un avion pour se déplacer. Le train n'a pas de roue, donc rien ne peut s'user. La vitesse maximale actuelle des versions de cette technologie, comme utilisée au Japon, est de 580 km à l'heure. Toutefois, cette version de la technologie est très datée. Une organisation appelée ET3, qui est en relation avec le Venus Project, a établi un maglev dans un tube pouvant se déplacer jusqu'à 6400 km à l'heure dans un tube immobile et sans frottement qui peut être placé sous terre ou sous l'eau. Imaginez aller de Los Angeles à New York le temps d'une longue pause déjeuner ou de Washington DC à Beijing en Chine en 2 heures. Ceci est le futur des déplacements continentaux et internationaux. Rapide, propre, avec seulement une fraction de l'énergie utilisée aujourd'hui pour les mêmes raisons. En fait, entre la technologie maglev, les piles d'accumulation avancée et l'énergie géothermique, il n'y aurait plus de raison de brûler constamment de combustibles fossiles à nouveau. Et nous pouvons le faire maintenant, si nous n'étions pas retenus par la profitable structure paralysante. Aujourd'hui, l'Amérique est portée vers le fascisme. Elle a une propension par sa philosophie et religion dominante à maintenir un point de vue fasciste. L'industrie américaine est essentiellement une institution fasciste. Si vous ne comprenez pas cela, la minute où vous frappez cette pointeuse, vous marchez dans une dictature. We're given notions about the respectability of work. And I really look at it as being paid slavery. Vous êtes élevé à croire que vous devez gagner votre vie par la sueur de votre front. Cela réprime les gens. Libérez les gens des corvées, des tâches répétitives qui les rendent ignorants. Vous les volez. Dans notre société qui est une économie de ressources, les machines libèrent les gens. Vous voyez, nous ne pouvons imaginer cela car nous n'avons jamais connu ce genre de monde. Si nous regardons en arrière sur l'histoire, nous voyons très clairement que l'automatisation des machines remplace doucement le labeur humain. Depuis la disparition du préposé à l'ascenseur jusqu'à l'automatisation presque complète des fabriques automobiles. Le fait est, au fur et à mesure de l'évolution technologique, le besoin de main-d'œuvre humaine sera continuellement diminué. Cela crée un clash sérieux qui prouve l'hypocrisie du système du travail rémunéré, car l'embauchage humain est directement en compétition avec le développement technologique. Donc, étant donné la priorité fondamentale du profit par l'industrie, les gens, à travers le temps, seront continuellement mis de côté
et remplacés par des machines. Lorsque l'industrie adopte une machine, plutôt que de raccourcir les journées de travail, elle réduit. Vous perdez votre travail, donc vous avez le droit de craindre les machines. Dans une économie de ressources et de haute technologie, il est prudent de dire qu'environ 90% de toutes les occupations actuelles pourraient être accomplies par des machines, libérant les humains pour vivre leur vie sans servitude. Car c'est le but de la technologie elle-même. Et à travers le temps, avec la nanotechnologie et d'autres formes hautement avancées de science. Ce n'est pas chercher trop loin que de voir comment même des procédures médicales complexes pourraient être aussi accomplies par des machines et suivre le modèle avec un taux de réussite beaucoup plus élevé que celui des humains aujourd'hui. Le parcours est clair, mais notre structure monétaire, qui requiert le labeur pour des revenus, bloque ce progrès. Car les humains ont besoin de travail pour survivre. L'essentiel est que ce système doit cesser, ou nous ne serons jamais libres et la technologie sera constamment paralysée. Nous avons des machines qui peuvent nettoyer les égouts et libérer les êtres humains de le faire. Donc, voyez les machines comme des extensions des attributs humains. De plus, de nombreuses activités aujourd'hui n'auront simplement plus de raison d'exister dans une économie de ressources, telles que tout ce qui est associé à la gestion d'argent, la publicité, pareillement au système juridique lui-même. Car sans argent, une grande majorité des crimes commis aujourd'hui ne se produiraient plus. Pratiquement toutes les formes de crimes sont des conséquences dans un système monétaire, soit directement ou par des névroses infligées par la dépravation financière. En conséquent, la loi elle-même pourrait au final disparaître. Au lieu de mettre un panneau « Conduisez prudemment », revêtement glissant, mettez un abrasif sur l'autoroute pour qu'il ne le soit plus. Et quand une personne prend sa voiture si ivre que la voiture oscille dangereusement, il y a un petit pendule qui se balance et qui permettrait de mettre la voiture sur le côté. Pas de loi, une solution. Mettez un sonar ou un radar sur les automobiles pour qu'elles ne puissent se rentrer dedans. Les lois faites par les humains sont des tentatives de gérer les problèmes et ne sachant pas comment les résoudre, ils font une loi. Aux États-Unis, le pays le plus privatisé et capitaliste de la planète, sans surprise, est aussi le plus grand détenteur de la population carcérale du monde, augmentant chaque année. Statistiquement, la plupart de ces gens sont sans instruction et issus de sociétés pauvres et désavantagées. Contrairement à la propagande, c'est le conditionnement environnemental qui les attire vers le crime ou des comportements violents. Pourtant, la société regarde dans l'autre sens en ce qui concerne ce point. Le système juridique et carcéral sont juste d'autres exemples de comment notre société évite d'examiner l'origine des causes du comportement. Des milliards sont dépensés chaque année pour les prisons et la police, alors qu'une fraction est dépensée sur des programmes concernant la pauvreté et qui est l'un des paramètres capitaux responsables du crime au départ. Et tant que nous avons un système économique qui préfère et qui en fait créer le manque et la privation, le crime ne disparaîtra jamais. Si le peuple a accès aux nécessités de la vie sans servitude, dette, troc, commerce, il se comporterait vraiment différemment. Vous voulez toutes ces choses disponibles sans prix dessus. Donc, maintenant, vous n'avez plus de prix dessus. Quelle sera la motivation des gens? Un homme a tout ce qu'il veut. Il se fera bronzer au soleil. C'est le mythe qu'il perpétue. Les gens dans notre culture sont dressés à penser que le système monétaire produit une émulation. S'ils ont accès aux choses, pourquoi voudraient-ils faire quelque chose? Ils perdraient leur motivation. C'est ce qu'on vous apprend pour supporter le système monétaire. When you take money out of the scenario, there would be different incentives, very different incentives. Lorsque les gens ont accès aux nécessités de la vie, leur émulation change. Qu'en est-il de la lune et les étoiles? De nouvelles incitations surgissent. Si vous faites une peinture que vous appréciez, vous apprécierez de la donner à une autre personne, pas de la vendre. I think most of the education that I've seen today is essentially producing a
person for a job. It's very specialized. They're not generalists. People don't know a lot about a lot of different subjects. I don't think you could get people to go to war if they knew a lot about a lot of things. I think education is mostly rote, and they're not taught how to solve problems. They're not given the tools, emotionally or within their own field, of how to do critical thinking. A resource-based economy, the education would be very different. La préoccupation majeure de notre société est le développement mental et de motiver chaque personne à atteindre leur plus haut potentiel. Car notre philosophie est que plus les gens sont intelligents, plus riche est le monde. Car tout le monde devient un contributeur. The smarter your kids are, the better my life will be, because they'll be contributing more constructively to the environment and to my life, because everything that we devise within a resource-based economy would be applied to society. There would be nothing to hold it back. Patriotisme, armes, armées, forces navales, tout ça est un signe que nous ne sommes pas civilisés. Les enfants dans le futur demanderont à leurs parents, « N'avez-vous pas vu la nécessité des machines, papa? Ne pouvais-tu voir que la guerre était inévitable quand tu produis la pénurie? N'est-ce pas évident? » Bien sûr, les enfants comprendront que vous êtes élevés uniquement que pour servir l'institution établie. Nous sommes dans une société si abominable et malade que nous n'irons pas dans le livre d'histoire. Ils diront seulement que de larges nations prirent les terres de nations plus petites utilisant la force et la violence. L'histoire parlera de comportements corrompus tout au long du parcours jusqu'au commencement du monde civilisé. Ce sera quand toutes les nations fonctionneront ensemble. L'unification mondiale travaillant vers le bien commun de tous les êtres humains et sans que personne ne soit asservi par un autre, sans stratification sociale, que ce soit de l'élitisme technique ou n'importe quelle autre forme d'élitisme, éradiqué de la surface de la Terre. L'État ne fait rien, car il n'y a pas d'État. L'État ne fait rien, car il n'y a pas d'État. Le système que je préconise, une économie de ressources globales, n'est pas parfait. C'est juste bien mieux que ce que nous avons. Nous ne pourrons jamais atteindre la perfection. Les valeurs sociales de notre société qui se sont manifestées dans la guerre perpétuelle, la corruption, les lois oppressantes, la stratification sociale, les superstitions inappropriées, la destruction environnementale et une classe gouvernante dictatoriale, indifférente socialement, orientée par le profit, est fondamentalement le résultat d'une ignorance collective de deux idées les plus basiques que les humains peuvent avoir sur la réalité, l'aspect émergent et symbiotique de la loi naturelle. La nature émergente de la réalité est que tous les systèmes, que ce soit le savoir, la société, la technologie, la philosophie ou toute autre création, vont, une fois débridés, traverser de fluides changements perpétuels. Ce que nous considérons comme banal aujourd'hui, comme la communication et les transports modernes, aurait été inimaginable dans les temps anciens. Pareillement, le futur contiendra des technologies, des réalisations et des structures sociales que nous ne pouvons même pas appréhender dans le présent. Nous sommes passés de l'alchimie à la chimie, d'un univers géocentrique à un héliocentrique, de croire que les démons étaient la cause de maladies à la médecine moderne. Ce développement ne montre aucun signe de fin, et c'est cette prise de conscience qui nous concentre et nous mène sur le parcours continuel de la croissance et du progrès. Un savoir empirique statique n'existe pas. De préférence, c'est l'idée d'émergence de tous les systèmes que nous devons reconnaître. Ce qui signifie que nous devons rester ouverts aux nouvelles informations à tout moment, même si elles menacent nos convictions actuelles ainsi que nos identités. Malheureusement, la société aujourd'hui a échoué à le reconnaître, et les institutions établies continuent à paralyser le développement en préservant des structures sociales périmées. Simultanément, la population souffre de la peur du changement, car leur conditionnement suppose une identité statique. Et défier les croyances de quelqu'un
résulte habituellement dans l'offense et l'appréhension, car avoir tort est faussement associé à l'échec. Alors qu'en fait, être détrompé devrait être célébré, car il élève une personne à un nouveau niveau de compréhension, favorisant une prise de conscience. Le fait est qu'il n'existe pas une chose telle qu'un être humain intelligent, car il s'agit simplement d'une question de temps avant que leurs idées soient actualisées, modifiées ou éradiquées. Et c'est cette tendance à s'accrocher aveuglément à des croyances, s'abritant de la transformation par nouvelles informations, n'est rien de moins qu'un format de matérialisme intellectuel. Le système monétaire perpétue ce matérialisme non seulement par sa structure d'autopréservation, mais aussi par l'innombrable ensemble de gens qui ont été conditionnés à soutenir aveuglément et inconsciemment ces structures, devenant ainsi les gardiens autodésignés du statu quo. Des moutons, qui n'ont plus besoin de chiens de berger pour les contrôler, car ils se contrôlent les uns les autres en chassant ceux qui se mettent en marge de la norme. Cette tendance à résister au changement et maintenir les institutions existantes pour le bénéfice de l'identité, le confort, le pouvoir et le profit est complètement indéfendable et ne produira que plus de déséquilibre, de fragmentation, de distorsion et très invariablement de destruction. Il est temps de changer. De chasseur-cueilleur à la révolution agricole, à la révolution industrielle, le motif est clair. Il est temps pour un nouveau système social qui serait le reflet des connaissances que nous avons aujourd'hui. Le système monétaire est le produit d'une période où le manque était une réalité. Maintenant, avec l'âge de la technologie, ce n'est plus pertinent pour la société. Disparu avec le comportement aberrant qu'il manifeste. Pareillement, les visions de monde dominantes telles que la religion théiste opèrent avec la même inadaptation sociale. L'islamisme, christianisme, judaïsme, hindouisme et tous les autres existent comme des barrières au développement personnel et social, car chaque groupe perpétue une vision bornée du monde et cette compréhension limitée du monde qu'ils reconnaissent est simplement impossible dans un univers émergent. Pourtant, la religion a réussi à condamner la prise de conscience de cette émergence en instaurant la déformation psychologique de la foi sur ses adeptes, où la logique et les nouvelles informations sont rejetées en faveur de croyances traditionnelles périmées. Le concept de Dieu est réellement une méthode pour témoigner de la nature des choses. Dans les temps anciens, les gens ne connaissaient pas suffisamment comment les choses sont conçues, comment la nature fonctionne. Alors, ils ont inventé leurs propres petites histoires. Et ils ont fait Dieu à leur propre image. Un type qui se met en colère quand les gens ne se comportent pas bien. Ils créent les inondations et les tremblements de terre. Et ils disent que c'est un acte de Dieu. Un coup d'œil rapide à l'histoire de la religion révèle que les mythes fondateurs eux-mêmes sont des culminations émergentes développées sous l'influence au fil du temps. Par exemple, une doctrine capitale de la foi chrétienne est la mort et la résurrection du Christ. Cette notion est si importante que la Bible elle-même déclare « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre prédication, vaine est votre foi. » Même s'il est très difficile de prendre ce récit littéralement, car non seulement il n'existe pas de source fondamentale sur cet événement surnaturel dans l'histoire séculaire, la connaissance de l'énorme quantité de sauveurs pré-chrétiens qui moururent et furent ressuscités également, mais immédiatement par association, ce récit dans le domaine mythique. Des personnalités de la petite Église, telles que Tertullian, ont mis de grands efforts pour briser ces associations, jusqu'à même clamer que le diable a causé ces similarités, déclarant dans le IIe siècle « Le diable, dont l'affaire est de pervertir la vérité, mime les circonstances exactes du sacrement divin. Il baptise ses adeptes et promet le pardon du péché. Il célèbre la bénédiction du pain et apporte le symbole de la résurrection. Reconnaissons alors la roublardise du diable qui copie certaines choses de ceux de l'être divin. » Ce qui est vraiment triste toutefois est qu'en saisissant l'idée que les récits du christianisme, du judaïsme, de l'islamisme et de tous les autres sont littéralement des histoires et les accepter pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des expressions purement allégoriques
dérivée de plusieurs fois, nous voyons que toutes les religions partagent un tronc commun. Et c'est cette unification impérative qui a besoin d'être reconnue et appréciée. Les croyances religieuses ont causé plus de divisions et de conflits que toute autre idéologie. Le christianisme seul a plus de 34 000 sous-groupes différents. La Bible est sujet à l'interprétation. Quand vous la lisez, vous dites « Je pense que Jésus voulait dire ceci. Je pense que Job voulait dire cela. Oh non, il voulait dire ceci. » Donc vous avez les luthériens, les adventistes du septième jour, les catholiques. Et une église divisée n'est pas une église du tout. Et une église divisée n'est pas une église du tout. Et à ce point de discorde, qui est une marque de fabrique de toutes les religions théistes, nous amène à notre second échec de conscience. La fausse hypothèse de séparation par le rejet de la relation symbiotique de la vie. Séparément de la compréhension que tous les systèmes naturels sont émergents, où toutes les notions de la réalité seront constamment développées, altérées et même éradiquées, nous devons aussi comprendre que tous les systèmes sont en fait des fragments inventés, simplement par l'intérêt de la conversation, car il n'existe pas d'indépendance dans la nature. L'ensemble de la nature est un système intégré de paramètres interdépendants, chacun une cause et une réaction, existant seulement comme un tout concentré. Vous ne voyez pas la prise pour se brancher à l'environnement. Donc, il semble que nous soyons libres, errants. Retirez l'oxygène et nous mourrons tous immédiatement. Retirez la vie végétale, nous mourrons. Et sans le soleil, toutes les plantes meurent. Donc, nous sommes connectés. Nous devons réellement prendre en compte la totalité. Ce n'est pas qu'une expérience humaine sur cette planète. C'est une expérience totale. Et nous savons que nous ne pouvons survivre sans les plantes et les animaux. Nous savons que nous ne pouvons survivre sans les quatre éléments. Et donc, quand allons-nous réellement commencer à prendre ça en compte? C'est ça, la réussite. La réussite dépend de comment nous nous attachons à tout ce qui nous entoure. Je suis très conscient du fait que mon petit-fils ne peut éventuellement pas espérer d'hériter d'un monde viable, pacifique, stable et socialement juste, à moins que chaque enfant d'aujourd'hui grandissant en Éthiopie, en Indonésie, en Bolivie, en Palestine, en Israël, puisse avoir les mêmes espérances. Vous devez prendre soin de toute la communauté, ou vous aurez de sérieux problèmes. Et maintenant, nous devons voir que le monde entier est une communauté. Et nous devons prendre soin les uns des autres de cette façon. Et ce n'est pas seulement une communauté d'êtres humains. C'est une communauté de plantes et d'animaux et d'éléments. Et nous avons vraiment besoin de comprendre cela. C'est ce qui nous amènera la joie aussi et le plaisir. C'est ce qui manque à nos vies maintenant. Nous pouvons l'appeler spiritualité. Mais le fait est que la joie vient de cette félicité d'interconnexion. C'est notre esprit de Dieu. C'est une partie de nous qui la sent réellement. Et vous pouvez la sentir profondément en vous. C'est ce sentiment merveilleux. Et vous savez quand vous l'avez. Vous ne l'obtiendrez pas avec de l'argent. Vous l'obtiendrez par la cohésion. Now, if that isn't a hazard to this country, how are we going to keep building nuclear weapons? You know what I mean? What's going to happen to the arms industry when we realize we're all one? It's going to fuck up the economy. The economy that's fake anyway. Which would be a real bummer. You can see why the government's cracking down on the idea of experiencing unconditional love. Une fois que nous comprenons que l'intégrité de nos existences personnelles sont complètement dépendantes de l'intégrité de tout le reste dans le monde, nous avons vraiment compris la signification de l'amour inconditionnel. Car l'amour est la fusion, et de voir toute chose en vous et vous en toute chose ne peut avoir de condition. Car en fait, nous sommes toutes ces choses à la fois. If it's true that we're all from the center of a star, every atom in each of us from the center of a star, then we're all the same thing. Even a Coke machine or a cigarette butt in the street in Buffalo is made out of atoms that came from a star. They've all been recycled thousands of times, as have you and I. And therefore, it's only me out there.
So what is there to be afraid of? What is there that needs solace seeking? Nothing. There's nothing to be afraid of because it's all us. The trouble is we have been separated by being born and given a name and an identity and being individuated. We've been separated from the oneness, and that's what religion exploits, that people have this yearning to be part of the overall one again. So they exploit that. They call it God. They say he has rules. And I think it's cruel. I think you can do it absent religion. De revendiquer l'unité. Notre système social désuet s'est disloqué. Travaillons ensemble pour créer une société globale viable où chacun est pris en compte et chacun est vraiment libre. Vos croyances personnelles, quelles qu'elles soient, sont insignifiantes quand on arrive aux nécessités de la vie. Chaque humain est né nu, nécessitant de la chaleur, de la nourriture, de l'eau, d'un abri. Tout le reste est auxiliaire. Cependant, le problème le plus important à porter est la gestion intelligente des ressources de la Terre, qui ne peut être accomplie dans un système monétaire, car la poursuite du profit est la poursuite de ses propres intérêts, et donc le déséquilibre est inhérent. Simultanément, les politiciens sont inutiles, car nos vrais problèmes dans la vie sont techniques, pas politiques. De plus, les idéologies qui séparent l'humanité, comme la religion, requièrent de fortes réflexions dans la communauté par rapport à leurs valeurs, buts et pertinence sociale. Avec de l'espoir, à travers le temps, la religion perdra son matérialisme et ses bases superstitieuses et évoluera vers le domaine utile de la philosophie. Le fait est, la société aujourd'hui est arriérée, avec des politiciens parlant constamment de protection et de sécurité, plutôt que de création d'unité et de progrès. Les États-Unis seuls dépensent maintenant environ 500 milliards de dollars annuels pour la défense. C'est suffisant pour envoyer chaque étudiant d'Amérique du cycle secondaire pendant 4 ans dans une grande école. Dans les années 40, le projet Manhattan réalisa la première véritable arme de destruction massive. Ce programme employa 130 000 personnes et un coût financier extrême. Imaginez ce que vos vies pourraient être aujourd'hui si ce groupe de scientifiques, plutôt que de travailler sur un moyen de tuer des gens, et travailler sur un moyen de créer un monde viable et abondant. La vie aujourd'hui aurait été très, très différente si c'était leur objectif. Plutôt que des armes de destruction massive, il est temps de lâcher quelque chose de bien plus puissant. Des armes de création massive. Notre vraie divinité est notre aptitude à créer. Et armé de cette compréhension de la connexion symbiotique de la vie, tout en étant guidé par la nature émergente de la réalité, il n'y a rien que nous puissions accomplir. Bien sûr, nous faisons face à de solides barrières, dans la forme de structures établies puissantes qui refusent de changer. Au cœur de ces structures se trouve le système monétaire. Comme expliqué plus tôt, la stratégie de réserve fractionnaire est une forme d'esclavage par la dette, où il est littéralement impossible pour la société d'être libre. À son tour, le libre marché capitaliste dans la forme de libre-échange utilise la dette pour emprisonner le monde et manipuler les pays asservis pour une poignée de grosses affaires et de pouvoirs politiques. Séparément de ces amoralités évidentes, le système lui-même est basé sur la compétition, qui détruit immédiatement la possibilité d'une collaboration à grande échelle pour le bien commun. En plus de paralyser toute tentative d'une véritable viabilité globale, ces structures financières et corporatives sont maintenant périmées et doivent être devancées. Bien sûr, nous ne pouvons être suffisamment naïfs pour penser que les élites commerciales et financières vont adhérer à cette idée, car ils perdront le pouvoir et le contrôle. Donc, des actions pacifiques et hautement stratégiques doivent être prises. Le déroulement le plus puissant d'action est simple.
Nous devons altérer notre comportement pour plier la structure du pouvoir à la volonté du peuple. Nous devons arrêter de supporter le système. La seule manière pour que l'ordre établi change passe par notre refus de participer tout en mettant continuellement à jour ses défauts infinis et ses corruptions. Ils ne laisseront pas tomber le système monétaire pour les plans que nous recommandons. Le système doit échouer et les gens doivent perdre confiance en leurs dirigeants élus. Ce sera un tournant majeur si le projet Vénus est offert comme alternative majeure. Dans le cas contraire, je crains les conséquences. Les tendances maintenant montrent que notre pays s'engage vers la banqueroute. La probabilité est que notre pays évolue vers la dictature militaire pour empêcher les émeutes et la complète rupture sociale. Une fois que les États-Unis s'écroulent, toutes les autres cultures vont traverser des choses similaires. Et maintenant, le système financier mondial est sur le point de s'effondrer en raison de ses défauts. Le contrôleur de devises déclara en 2003 que les intérêts de la dette nationale des États-Unis ne seraient pas abordables avant moins de 10 ans. Cela signifie théoriquement que la banqueroute totale de l'économie américaine et ses implications pour le monde sont immenses. À son tour, le système monétaire basé sur la réserve fractionnaire atteint son point limite théorique d'expansion et les faillites bancaires que vous voyez ne sont qu'un début. C'est pourquoi l'inflation monte en flèche. Notre dette est à son niveau record et le gouvernement et la Fed déversent de l'argent frais pour sauver le système corrompu. Car le seul moyen d'entretenir les banques est en créant plus d'argent. Et le seul moyen de créer plus d'argent est de créer plus de dettes et d'inflation. C'est simplement une question de temps avant que les tables tournent et que personne ne veuille plus faire de nouveaux prêts. Alors que les défaillances s'agrandissent, comme les gens ne peuvent plus payer leurs emprunts courants, alors l'expansion de l'argent s'arrêtera et une récession commencera à une échelle encore jamais vue. Clôturant un siècle schématique, pyramidal. Cela a déjà commencé. C'est pourquoi nous devons dénoncer cette faillite financière pour ce qu'elle est, en utilisant ses faiblesses à notre avantage. En voici quelques suggestions. Exposer la fraude bancaire. Citibank, JP Morgan Chase et Bank of America sont les plus puissants administrateurs au sein du système de la Réserve fédérale. Il est temps de boycotter ces institutions. Si vous avez une carte de crédit ou compte bancaire chez l'un d'eux, déplacez votre argent vers une autre banque. Si vous avez un prêt immobilier, refinancez-le avec une autre banque. Si vous possédez leur action, vendez-les. Si vous travaillez pour eux, démissionnez. Ces gestes exprimeront votre mépris pour le vrai pouvoir derrière le cartel bancaire privé, connu sous le nom de Réserve fédérale, et créera une prise de conscience de la fraude du système bancaire lui-même. 2. Coupez-vous des journaux télévisés. Allez voir les agences de presse indépendantes émergentes sur l'Internet pour vous informer. CNN, NBC, ABC, Fox et tous les autres présentent des informations préfiltrées pour maintenir le statu quo. 4 sociétés sont propriétaires de tous les grands médias. Une information objective est impossible. C'est la véritable beauté de l'Internet et l'institution a perdu son contrôle grâce à ce libre cours d'informations. Nous devons protéger l'Internet en permanence, car c'est notre véritable sauveur en ce moment. 3. Ne permettez jamais à vous-même, votre famille ou toute autre personne que vous connaissez d'entrer dans l'armée. C'est une institution désuète utilisée maintenant exclusivement pour maintenir un ordre établi qui n'est plus pertinent. Les soldats américains en Irak travaillent pour les sociétés américaines et non pour le peuple. La propagande nous force à croire que la guerre est naturelle et que l'armée est une institution honorable. Eh bien, si la guerre est naturelle, pourquoi y a-t-il 18 suicides chaque jour par des vétérans américains qui ont des troubles post-traumatiques? Si nos hommes et femmes militaires sont si honorés, pourquoi 25% de la population américaine sans abri sont des vétérans? 4. Arrêtez d'appuyer les compagnies d'énergie. Si vous vivez dans une maison séparée, sortez du système. Recherchez tous les moyens pour que votre maison soit auto-alimentée avec de l'énergie propre. Les énergies solaires et éoliennes et d'autres énergies renouvelables sont maintenant abordables et en considérant le coût toujours plus élevé des énergies traditionnelles, ce sera probablement un investissement moins cher avec le temps.
Si vous conduisez, prenez la plus petite voiture que vous pouvez et considérez l'utilisation d'une des nombreuses technologies de conversion qui permettraient à votre voiture d'être hybride, électrique ou fonctionnant sur n'importe quoi d'autre que les carburants établis. 5. Rejetez le système politique. L'illusion de la démocratie est une insulte à notre intelligence. Dans un système monétaire, il n'existe pas une telle chose qu'une vraie démocratie, et ne l'a jamais été. Nous avons deux partis politiques possédés par le même ensemble d'entreprises lobbyistes. Ils sont mis en place à leur position par les sociétés avec une popularité artificiellement créée par leurs médias. Dans un système de corruption inhérent, le changement de personnel aux quelques années ne fait qu'une très petite différence. Plutôt que de prétendre que le jeu politique a une vraie signification, focalisez votre énergie sur les moyens de transcender ce système infructueux. Et 6. Rejoignez le mouvement. Allez sur thezeitgeistmovement.com et aidez-nous à créer le plus grand mouvement de masse pour un changement social que le monde n'ait jamais connu. Nous devons mobiliser et éduquer tout le monde à propos de la corruption inhérente du système actuel de notre monde. Avec la seule véritable solution viable, en déclarant toutes les ressources naturelles de la planète comme l'héritage commun de tous les peuples, tout en informant tout le monde sur le véritable état de la technologie et comment nous pouvons tous être libres si le monde agit de concert à la place de se battre. Le choix repose en vous. Vous pouvez continuer à être esclave d'un système financier et regarder la guerre continuellement, les dépressions et l'injustice à travers le globe, tout en vous apaisant de vains divertissements et d'ordures matérialistes. Où vous pouvez focaliser votre énergie sur de véritables changements significatifs et durables qui a la capacité réaliste d'entretenir et libérer tous les humains sans laisser personne de côté. Mais au final, le changement le plus pertinent doit s'opérer premièrement en vous. La véritable révolution est la révolution de la conscience. Et chacun de nous doit premièrement éliminer le bruit divisionnaire et matérialiste que nous avons été conditionnés à prendre pour vérité, tout en découvrant, amplifiant et s'ajustant avec ce signal venant de notre vraie unité empirique. Cela ne tient qu'à vous. What we are trying during all these discussions and talks here is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it, give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil. There is no leader. There is no guru. There is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil. You are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is.